de Montréal? Vous aimez ça venir ici? Ben, j'avais dit justement, enfin, je suis un garçon, je suis arrivé un peu en... avec mon caractère de... Mais les gens à Montréal sont très très sympas. Si tu sais pas t'entendre avec les gens à Montréal, ben, tu t'entends avec personne. Hein. Ok, au bon moment. Le film est tombé au bon moment parce que de nos jours, les films d'action sont fort entourés d'effets spéciaux, comme ce film-là. Mais seulement les scènes de combat ici sont, ont été faites à l'ancienne, avec des angles un peu plus larges, où on peut accuser un peu les coups. Et on a grandi avec des films à la Bronson, à la Stallone, à la Rocky. Donc on savait que pour être une star d'action à l'époque, il fallait quand même avoir une certaine validité. Les acteurs d'aujourd'hui, ils sont bien, ils sont aussi bien que nous, aussi forts que nous. Seulement, ils ont grandi dans la technologie où on n'a pas grandi. Donc, c'est très dur à... On peut conduire les deux voitures. On peut conduire le stick shift et on peut conduire l'automatique. Mais seulement quand on se gare, on se met en arrière et on regarde. Faut pas regarder. Donc, c'est different life. You understand my metaphor? Oui, manuel automatique. Ok, Voilà. voilà. Donc, on a fait les deux. Là, on repart en manuel, là. Vous jouez un vilain dans ce film-là. Quelle est la différence entre jouer un héros, comme vous avez joué souvent, et un vilain? C'est presque la même chose. Ça dépend du jeu d'acteur qui devient plus tard un jeu de vérité. Mais la différence, c'est quand on est vilain, on est très neutre dans son comportement. Être vilain, it's to being dark. Une fois qu'on a compris ce chemin-là, cette artère, tout ce qui est autour, toute la viande qui est autour, on peut monter, descendre, être très bipolaire dans son acting. Et ça, c'est intéressant quand on joue un vilain. On peut être vilain d'une manière comme ça, être... mais c'est tout dans... Et comme c'est au grand écran, ça se voit encore mieux. Les gens avec qui je travaille, c'est des gens que je respecte, comme des Stallone, des Arnold, Chuck Norris, tout ça. Donc, il faut être méchant avec eux, en plus, tu vois. Oui. Donc, être une certaine distance a fait beaucoup de bien pour le rôle. Oh.